Wesh, les potos, vous connaissez déjà les gars, c'est mon chalmeur. Putain, excusez-moi, c'est mon chalmeur, les gars, bang bang. Vous avez déjà, bref, on va commencer déjà par vous dire que je suis malade, les gars. Donc, si jamais vous voyez que je tousse ou que je tousse ou que je bouge comme je viens de faire là ou que je renifle d'une manière dans la vidéo, les gars, c'est normal, les gars, c'est parce que voilà, je suis malade. Moi, je tenais à faire une vidéo quand même parce que j'essaie de revenir dans les anciens bails. C'est-à-dire essayer de faire des vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours, que ce soit d'être un peu plus actif, quoi. Parce que j'ai vu que voilà, j'ai quand même gagné pas mal d'abonnés quand même ces 2 derniers mois-là. Mais avec. Mais avec. Comment dire ça? Avec le travail, bon, comme je vous ai dit plusieurs fois, le travail c'était un peu chaud, donc je faisais de moins en moins de vidéos. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu un problème de croissance d'abonnés. Mais bon, vous inquiétez pas, voilà, je sais pas trop non plus, j'ai pas trop à me plaindre non plus, quoi. On va dire que voilà, j'ai quand même pas mal d'abonnés quand même, j'ai eu plus d'une centaine d'abonnés en 2 mois. Mais comparé à les 500 quelques abonnés que j'ai eu en 2 mois, les 2 mois avant, les 2 mois derniers, c'est une grande différence quand même. Mais bon, bref, deuxièmement aussi, je voulais dire aussi que par rapport à la précédente vidéo, là où on entendait énormément les criquets, les gars, je suis vraiment désolé, 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 vraiment. Mais. En fait, moi, quand j'enregistre, là, comme maintenant j'enregistre, je sais pas si j'entends pas les criquets aussi fort, tu vois. Alors que dans la vidéo, je suis là, mais c'est pas possible, putain. On entend les criquets aussi fort qu'on entend ma voix. Et encore, il y a des moments où on entend plus les criquets que ce que je dis. Je suis là, c'est abusé quand même, hein, du n'importe quoi. Donc voilà, les gars. Et là, encore une fois, pour cette vidéo-là, je verrai quand je vais arrêter de filmer, on verra. Quand je vais arrêter d'enregistrer le commentaire, je vais voir si comment j'entends les criquets, hein, si je les entends fort, si je les entends pas fort. Et donc là, est-ce que vous pouvez voir ma tête là déjà? Je sais pas si vous pouvez voir ma tête. Attendez, hein, je regarde si vous pouvez voir ma tête. Oh, ben ça va. Bon, voilà, vous me voyez pas trop bien, les gars, mais bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça, c'est un peu bon. Donc là, ben voilà, je devais faire des parties ce soir justement pour. Je devais faire des parties pour. Comment dire ça? Pour ajouter un peu de vidéos à les vidéos que je fais là, parce que bon, j'essaie de faire un peu vraiment beaucoup de gameplay énervé, beaucoup de gameplay en arrière-plan énervé, tu vois. Mais ce soir-là, ben, j'essaie de lancer la partie, les gars. Et regardez ce qu'il m'a écrit là, tu vois. Bon, bref, là, c'est les amis de ça. Bon, c'est écrit reconnecter la manette, ça veut dire que comme un con, j'ai oublié de charger ma batterie, et voilà. Et j'ai oublié de charger ma batterie, et j'ai oublié de charger mes piles rechargeables aussi. Donc, ce qui fait que je suis comme un con, je ne peux pas jouer, donc je suis obligé d'attendre au moins une demi-heure que soit la batterie, soit les piles soient rechargées pour pouvoir jouer. Donc pourquoi voilà, je propose que les gameplays qui sont là, j'espère que ça va vous plaire quand même. Voilà, c'est pas non plus voilà des masses et tout. Voilà, j'ai quand même voulu mettre la caméra, les gars, même si voilà ma gueule est vraiment pas potable dessus, donc c'est pour ça que je mets pas de lumière pour pas que vous voyez trop les trucs de ma gueule. Bref, si vous remarquez, passons sur ça. Si vous remarquez bien par rapport à mes dernières vidéos, j'utilise beaucoup beaucoup de pompes maintenant. J'ai recommencé à utiliser de pompes, on va dire. Parce que j'ai encore. Je sais pas s'ils ont fait un truc, je sais pas s'ils ont fait un patch. Après, à vous de me dire si vous savez, parce que j'ai pas vraiment trop le temps non plus de regarder les vidéos des autres youtubeurs, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression qu'avec le pompe, on fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Ouais, qu'après le patch, en fait, il y avait eu sur les pompes de chasse, sur les pompes de chasse, pompes lourdes, même pour les pompes semi auto. J'ai l'impression, même avec les pompes semi-auto, que je fais plus souvent des headshots, des one shot en fait, dans la tête qu'avant, qu'après le patch. C'est-à-dire que j'arrive à faire des 110, des 120 plus souvent maintenant aux pompes semi-auto. Et aux pompes lourdes, j'arrive même à faire des. J'ai fait même moins 170. J'étais choqué. J'étais avec un abonné. Donc en plus, ouais, il est témoin. Bon, je crois qu'il est abonné. Je crois que s'il va voir la vidéo, il est témoin. Que voilà, j'ai fait quand même les moins 170. J'étais choqué. J'ai one shot le mec qui avait 100 de vie, 70 de bouclier. Je suis là, oh my god, c'est pas possible. Donc voilà, donc là ça va redonner goût à jouer aux pompes, donc je joue pompe mitraillette, franchement c'est une bonne combo. Bon après il faut quand même être assez habile avec la pompe, quoi. Il faut vraiment bien placer son shoot, encore mieux qu'avant, parce qu'avant tu sais, si tu ratais un premier shoot avec le pompe, tu avais le deuxième pour attraper le coup, tu vois. Mais là quand même, si tu dois enchaîner pompe mitraillette, forcément, si tu arrives à faire, je sais pas, un petit 100 dans la tête aux pompes, avec la mitraillette, c'est plus facile que si tu enchaînes le mec qui a peut-être 200 points de vie avec une mitraillette, tu vas prendre beaucoup plus de temps, alors que lui s'il te donne une balle de pompe. Je dis 100, mais après c'est gentil parce que si jamais ils te font 150 au pompe dans la tête et après ils mangent de la mitraille, t'inquiète pas, t'as même pas le temps d'enlever son shield avec ta mitraille. Ils te décalent. Donc voilà les gars, c'est pour ça que ça me donnait plus envie de jouer au pompe. Donc là j'ai repris goût à jouer au pompe. Et voilà, si vous voyez bien sur la vidéo, je comprendrai jamais comment c'est possible que ces temps-ci ça arrive souvent
que je tire ma balle de step et droit sur le mec et je touche pas le mec. Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Que ce soit le snipe ou la carabine, il y a beaucoup de fois où ma balle, je suis sûr que le viseur est sur lui et ça touche pas. Ça touche pas. Là, vous voyez bien qu'en plus, le shoot, franchement, je suis quand même vraiment content de mon shoot parce que mon shoot est vraiment plus précis qu'avant. Même au temps du double pont, j'avais pas un shoot aussi précis au pont. C'est-à-dire que je donne souvent, tu vois, des balles dans la tête. Hein, si vous réalisez, si vous regardez bien, moi, j'ai pas compté non plus, mais bon, si vous voulez compter le nombre de headshots que je fous dans ce gameplay-là, je fous quand même pas mal de pompes dans la tête, quoi. Et même moi, je suis choqué des fois de voir la quantité de ça m'est déjà arrivé, hein, genre, en section de coucher 4 mecs avec que des balles dans la tête au pont. Hein, franchement, c'était abusé. Balle au pont dans la tête, balle machin. Et là, si vous remarquez bien, bon là, j'ai pas, vous voyez pas bien, mais je suis en solo duo. J'étais en duo avec l'ami, mais bon, il est mort, je crois. Ben, vous l'avez vu, il est mort là, quand on était dans la maison cassée plus haut. Là, je me fais rush par les deux derniers mecs de la team. C'est vrai que j'aurais dû dépasser la caméra un petit peu plus vers le bas parce que l'on voit pas les gens avec qui je joue. Mais bon, ça, on va voir ça après parce que c'était déjà pas prévu que. Lui, je sais même pas du tout, même pas sur qui il envoyait sa grenade. Lui, franchement, c'était du n'importe quoi. Le mec, il est. Franchement, il s'est dit, mec, tu t'aimes ça qu'il joue avec le son de la télé toujours, quoi. Encore, tu dis qu'il joue avec le son de la télé, le gars, il joue vraiment avec le son de son casque. Hein. Mais pourtant, il m'a entendu courir, je sais pas comment. Pourtant, je courais, je sais pas comment. La première, il a pas entendu que je courais. Que je courais en dessous de lui, putain, là, j'ai raté la roquette, les gars, c'était chaud, j'ai repris la roquette. Bon, ça m'a peut-être pas tué, je pense pas, mais après, les roquettes, c'est traître. Hein, parce que des fois, tu prends une roquette en pleine gueule, ça te tue pas. Des fois, tu prends une roquette à 2 mètres de toi, ça te one shot, hein, donc. Avant le risque. J'ai raté la roquette, c'était chaud. J'étais obligé d'applaudir à la fin parce que bon voilà, c'était chaud. C'était chaud. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ouais, franchement, mon shoot, il s'est vraiment amélioré, amélioré, amélioré de ouf. Je suis vraiment, I'm shocking. Donc, franchement, là, ça m'incite à jouer vraiment pompe. Après, si vous voulez, franchement, jouer aux pompes, c'est vraiment un truc de malade. Après, je sais pas pourquoi, parce qu'autonomement, je jouais sensibilité 7. 7 partout, ça veut dire 7, 7, X, Y, 7, 70, 70, visée balette, visée lunette. Mais j'avais quand même beau shoot au pont, mais il y a dans pas mal d'occasions, dans des vidéos comme dans celle-là, comme dans les autres game types qu'il y avait avant, je pense que j'étais tous en sensibilité 5. J'ai rétrogradé ma sensibilité pour avoir vraiment un shoot optimal au pont. Parce que ça sauve la vie d'avoir un beau shoot, tu vois. Parce que franchement, autant que je joue en sensibilité 7, ça va, je construisais super vite, je buildais beaucoup vite. C'est vrai que parfois, comme là, le temps que j'ai de construire le mur à côté, je top comme pas mal de balles, tu vois. Et ça, c'est chaud. Parce que tu sais, quand tu as sensibilité 7, c'est vraiment beaucoup plus facile de construire un mur à gauche, à droite et derrière toi. Si jamais toi, tu te fais focus par deux mecs, par exemple, il y en a un qui te prend à droite, un qui te prend à gauche, tu peux plus rapidement construire les deux murs que quand tu as sensibilité 7. Bon, après, pour moi, tout dépend pas de ta sensibilité. C'est parce que tu as une sensibilité élevée que forcément, tu vas être beaucoup plus fort qu'un mec, même en fight construction, en fight build, tu vois, build fest. C'est pas ta sensibilité qui va tout, c'est pas grâce à ta sensibilité que tu vas jouer en fait. C'est vraiment grâce à ta lecture de jeu. Et ça, je pense que beaucoup de personnes l'oublient. C'est que si tu as une bonne lecture de jeu, si tu vois par exemple que le gars il va faire ci avant qu'il le fasse, même si tu es en sensibilité 5, tu peux gérer pour bloquer le mec. C'est-à-dire que, en fait, il y en a des gens qui vont construire comme des cons, tu vois, qui vont construire, monter, 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 construire. Voilà, sans vraiment prendre le temps de regarder ce que le joueur en face fait, parce que des fois, tu as vraiment le temps de lui foutre une balle avant de construire. En fait, tu vois, des fois, franchement, je sais pas si dans ce gameplay, on va voir à des moments où j'aurais pu construire, mais j'ai arrêté de construire justement pour attendre que les gars construisent, parce que je savais que quand il allait construire, j'allais avoir une ouverture, tu vois. Et ça, c'est crucial, parce qu'une balle de pompe qui passe dans la tête. Dans ce build fight, c'est énorme parce qu'après le gars il va flipper et au lieu de continuer à construire en montant, il va se renfermer et là tu peux le focus quoi. C'est-à-dire que tu peux, voilà, tu prends l'avantage alors que tu as une sensibilité, c'est que tu prends l'avantage parce que lui il va se cacher au lieu de continuer à prendre la hauteur. Mais ça, si tu ne tombes pas contre un bon joueur, il y a des fois, il y a des joueurs qui sont quand même pas mal forts, qui même en ayant 10 points de vie, enfin, quand tu les arroches, tu vois. Même à des moments dans ça, vous allez voir qu'à des moments j'ai 10 points de vie ou 30 points de vie, je vois une balle de pompe et encore une balle de Thompson, je meurs. Et pourtant, je joue hyper agressif, ça. Donc, ça, c'est vraiment la lecture de jeu. Si vraiment tu as la possibilité, tu vois que voilà, si vraiment tu te dis que non, au stade où je suis là, j'ai 10 points de vie, le mec il a toute sa life, si je fais un carré, j'aurai jamais le temps de me soigner. Et lui il va prendre la hauteur, il va avoir vraiment une plus grande chance de me kill. Et ça, en fait, ça, c'est vraiment avoir vraiment cette lecture de jeu là. C'est vraiment, les gars, si vous voulez sortir souvent gagnant de vos fêtes, que ce soit construction ou à terre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut te dire vraiment, au bon moment, il faut réfléchir, te dire que tu as 10 points de vie, le gars il a toute sa life, tu sais que tout le monde joue à la mitraillette en ce moment et qu'il y a des petits bugs dans le mur où le mur il est bleu, mais tu prends des balles derrière, tu as 10 points de vie,
Franchement, la pousse, le seul truc qu'il y a à faire, c'est même si tu as pris la balle, il faut quand même que tu prennes la hauteur, que tu prennes l'avantage sur lui au niveau de hauteur, au moins que tu puisses encaisser 2-3 balles avant sans qu'il te touche. Parce que si tu construis comme certains un carré et tout, et puis tu essaies de te soigner, tu ne vas jamais y arriver. Le gars, il a toute sa vie, donc lui, il n'a pas besoin de se soigner. En fait, ça veut dire que lui, il va te focus les murs, les murs, les murs, les murs, et il va faire tout pour qu'une balle passe et ça te touche, tu meurs, en fait. Donc à ce moment-là, il vaut mieux jouer agressif que jouer la cape de la vie, en fait, tu vois. Donc, franchement, c'est des fois, tu vois, je vois les mecs des fois aussi, quand je les vois jouer, je me dis que c'est ça en fait, c'est que lui, au lieu de directement se cacher, au lieu de directement foncer vers moi vraiment pour essayer de, tu vois, parce qu'on sait jamais, parce que vous allez voir à un moment dans la vidéo là, ça a arrivé, j'avais très peu de vues, le gars il m'attaquait, et je sais pas comment, quel miracle, mais j'ai joué, tu vois, sans vraiment stresser, tout ça, je me disais même pas, j'étais à 10 points de vie, je me disais juste. Il faut que tu lui foutes des balles dans la tête. Et les gars, j'ai foutu une balle de pompe et mitraillette. Le gars, il est mort. Il avait 200 de vie. J'avais que. Je sais pas si j'ai 10 ou 30 points de vie. Je me rappelle plus. Mais. C'est ça le plus important. Lui, j'ai pas compris pourquoi il était abandonné, lui. Franchement, lui, tu vois, il a sorti le karma. Tu vois, il avait. Oh putain, lui, il est chaud. Ouais, je rigole. Franchement, c'est ça le truc. Franchement, il faut avoir la lecture de jeu, les gars. Parce que tu vois, malgré que j'ai 5206. Après, bon, vous allez me dire, il y a des gens qui vont me dire que ouais, ils ne voient pas que j'ai 5206, que je bouge un peu trop vite pour quelqu'un qui a 5206. Mais là, je vous assure que là, dans le gameplay là, maintenant, là, j'ai 5206. Dans celui d'avant aussi, j'avais 5206, en fait. 5-5-206, 70-70, visée manette, visée lunette. Ah, bien sûr, je joue spécialité construction, ça aide beaucoup et tout ça. Je joue une manette à palette, donc aussi, ça aide beaucoup. Mais franchement, la lecture de jeu, les gars, la lecture de jeu, c'est la même manière quand tu te déplaces dans la zone et tout ça. C'est une lecture de jeu qu'il faut avoir. C'est quand tu te déplaces dans la zone, faut pas te déplacer comme un con. Si tu cherches à faire du kill, c'est sûr, tu vas au milieu. Mais si. Et lui, je n'ai même pas entendu arriver, lui. Il m'a fait flipper. Tu vois le carré que j'ai fait là? T'as 10 points de vie, c'est l'erreur à jamais faire, en fait. Tu vois? Parce que tu vois, la balle, elle passe. Il y a des balles qui passent. J'aurais 10 points de vie, je suis mort. Tu vois? Là, tu vois, il faut. Dans ces cas-là, tu vois, je joue pas l'agressivité. Tu vois, je me cache là. Tu vois, t'es bien caché. T'as une bonne visibilité. Le mec, en plus, il sait même pas où ce que je suis. Tu vois? Balle dans la tête, moins 74, malheureusement. Balle dans la tête, moins 74. Ouais, pas dans la tête, mais vous voyez. Ouais, c'est vraiment. Lui, il avait toute sa vie. Hein. Je lui ai deux balles de pompe à 70 dans le shield, quand même. Hein. Et j'ai réussi à le tuer, tu vois. Et ça, tu vois, encore une fois, ça, c'est. Tout dépend de la lecture de ton jeu, en fait. C'est vraiment. Il faut vraiment bouger au bon moment. Il faut faire les trucs au bon moment. Des bonnes actions, franchement. Des fois, tu peux t'en sortir avec très peu de vie, en fait. Et contrairement à d'autres personnes qui vont flipper, qui vont. J'aurais pu, tu vois, faire un carré là, tu vois. Non, je préfère me cacher sans construire. Moi, ça, lui, il est un peu perdu. J'avais un peu l'avantage de la surprise parce que lui, au début, il m'a surpris. Mais à la fin, c'est moi qui l'ai surpris parce qu'il savait pas où j'étais. Et ça, le problème, c'est qu'il m'a entendu sauter, mais il ne savait pas si c'était derrière le mur, derrière le camion ou tu vois. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que tu prends le dessus sur cette personne-là. C'est qu'il va prendre des balles, mais sans t'en donner, tu vois, parce qu'il sait pas où tu es, tu vois. Et ça, tu vois, c'est le. Tu vois, lui, par exemple, lui aussi, pareil. Il a très peu de vie, mais le problème c'est qu'il a fait un carré, tu vois. Si tu fais un carré, t'as très peu de vie, t'as toutes les chances de mourir en fait. Il aurait dû continuer à bulle et prendre la hauteur. Et comme ça, là, il voit où est-ce que je suis, il me voit arriver, il attend de me donner 2-3 balles s'il peut, ou sinon il peut me voir arriver et essayer de me bloquer, tu vois. Mais ça, bon, bien entendu, tout ça, il y a des gens qui font ce genre d'erreur-là, mais après c'est normal, c'est le début du jeu, c'est, je sais pas, c'est, t'as pas encore vraiment tout encaissé, il faut déjà apprendre à construire, c'est vrai, faut apprendre à faire pas mal de choses avant de, tu vois, vraiment avoir une bonne lecture de jeu. Mais la lecture de jeu est très importante, logique de jeu en fait, parce que des fois je me dis qu'il y a des gens, franchement, quand je tombe sur, je me dis, le gars il a aucune logique de jeu, c'est pas possible. Le gars il peut pas faire ça, c'est, je me dis, mais non, mais non, mais non, tu faisais quoi, frère? Tu faisais quoi? Tu étais où? J'ai pas compris. Donc voilà les mecs. Voilà, mais franchement, sinon je vais parler de moi, franchement. Là, je vais recommencer vraiment sévère, là, en septembre, les vidéos, tout ça. Bon, je sais que vous serez un peu à l'école. Putain, j'ai pris la balle. Là, les gars, ça, c'était la balle de snap éternelle. Le truc sorti du cosmos, frère. Le truc est sorti. Le mec, il était trop chaud au sniper. Mais regardez ce que je vais lui faire. Et là, j'ai rien compris. Frère, tu me donnes une balle sortie du cosmos pour mourir comme une merde, comme ça, frère. Mais non, c'est du manque de respect. C'est du manque de respect, frère. Lui, je me suis un peu amusé avec lui, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aurais pu le finir sans. Si j'avais pas utilisé ce step, j'aurais pu le finir ou le bloquer dans la zone. Mais bon, j'ai voulu un peu jouer avec lui parce que je voulais quand même lui donner la balle de carabine. Mais bon, il était un peu coriace. Il jouait sa vie. En fait, il se battait pour sa vie, ce qui est compréhensible. C'est quand ça reste un battle royale quand même. Mais. Je sais pas, je voulais lui donner une balle de carabine, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il y a des fois, tu vois, c'est comme ça, t'as voulu donner une balle de carabine et puis bon, au final, bon. Tu arrives pas parce que le gars. Pas qu'il. En fait, il joue bien. Mais en même temps, t'as envie de te dire qu'il joue bien, mais il m'a pas trop donné de balles. Donc après, tu vois, il joue bien. Il joue assez bien pour t'empêcher de le tuer salement. On va dire ça comme ça.
Mais bon, voilà les mecs, je crois que c'est pas la dernière vidéo, je crois qu'il y a d'autres vidéos, mais j'ai fait quand même pas mal de top 1 assez bien, tu vois, assez agressif, parce que je vais essayer de vous présenter vraiment des gameplays assez agressifs en ce moment. Parce que bon, j'en ai un peu marre de gameplay, forcément, tu vois, pas forcément parce que t'as un gameplay de 20 kills, que voilà, c'est bien, mais j'essaie de présenter vraiment des... parce que je peux pas encore faire de live, genre, je peux pas encore enregistrer vraiment toute la partie. Si vous pouvez enregistrer toute la partie, il y aura pas mal de parties que vous auriez bien aimé, tu vois. Fuck. Il y a des parties que vous aurez bien aimé, tu vois. Mais là, comme je ne peux pas ranger toutes les parties, je vais te faire des captures. Il y a des moments où c'est tellement chaud les parties que j'ai pas. Il y a des parties qui sont tellement chaudes que j'ai pas vraiment le temps, tu vois, de. Que j'ai pas vraiment le temps de capturer. Parce que j'ai pas tout le temps de réflexe de capturer. Et ça, c'est chiant. Là, voilà. Ah ouais, là, les gars, franchement, pour la dernière, c'est quoi, la dernière vidéo, je crois, là. Ouais. Pour l'avant-dernière vidéo, les gars, là, je vous présente le mec qui court pour sa vie comme jamais. Le gars, il croyait que j'étais Scarface ou je sais pas ce qu'il croyait que j'étais. Le gars, regarde-moi le gars. Oh, il a sauté là déjà. J'ai jamais vu. Déjà, je sais même pas comment il a fait pour avoir autant de pads. Mais le mec qui court, il se retourne même pas. Il s'en bat les couilles, frère. Le gars, il veut fuir, il veut sauver sa life. Et on est en plus, il prend le temps de péter le pad. Regarde-moi ça, le gars, il court. Les gars, j'ai jamais vu ça, les gars. Franchement, les gars, un GG pour monsieur, franchement, et lâcher des maximum de j'aime pour monsieur, parce que franchement, j'ai jamais vu, je sais même pas si j'arrive à le buter à la fin, mais le mec, j'ai jamais vu un mec. Et le pire, c'est que le gars, il assure sa fuite, hein. Il tire et après ça, il casse son truc. J'ai jamais vu, c'est moi comme un con, j'ai fait ça, mais l'escalier, c'est mis plus loin. Le gars, franchement, les gars, je n'ai jamais vu un mec courir autant pour sa vie, frère, autant pour sa vie. Le gars, il a jamais, je sais même pas s'il a 200 points de vie, parce que le gars, il a 200 points de vie, frère, peut-être, hein, tu sais même pas s'il a 200 points de vie. Le bâtard, mais il court, il fuit, il fait consommer énormément de bois, énormément de construction. Pourquoi? Pour la peine, je tombe dans une espèce d'embuscade de merde. Mais franchement, j'ai jamais vu un mec courir autant sur Fortnite. J'ai déjà vu des mecs courir et se cacher, tu vois, et puis disparaître comme ça de la map. C'est-à-dire que peut-être il se cache derrière un arbre, mais il disparaît, tu vois, comme s'il a sauté derrière la maison, il disparaît. Mais un mec comme lui, là, qui fuit comme ça, et moi je le traque comme un con, je le traque, j'aurais pu me faire sniper dans le dos. Hein. J'aurais pu me faire focus dans le dos à cause de lui, tu vois. Je sais pas, j'avais envie de le traquer pour voir vraiment jusqu'à où il serait prêt à courir, tu vois. Mais le gars, il s'en bat les couilles, le gars, qu'il y ait d'autres personnes derrière. Le gars, il fuit pour sa life. Le gars, il fuit, les mecs. Et enfin, il arrête de fuir, on va dire. Parce que bon, je pense qu'il a dû voir que, voilà, il a soit, je crois qu'il a du monde derrière lui, ou je sais pas. Il a arrêté de fuir à un moment. Non, même pas, il continue à fuir, au calme. Ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais. Après, je dis ça, mais peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais fui autant. Hein. Jamais fui autant. J'ai déjà fui plus loin. Construire un petit fort au calme, tu vois. Construire un petit fort au calme, et puis après. Ah, si, je l'ai focus, je crois, en plus. Oh, je l'ai tué. Hein. Il m'a bien mâché ça. Hein. Oh, putain, je l'ai même pas tué, frère. Oh, putain. Ah, non, mais ça, c'est dégoûtant, ça. Ah, ça, c'est dégoûtant. Tu vois, ça. Se faire voler un kill. Se faire voler une proie que t'as traqué à l'autre bout de la galaxie. Ça, c'est dégueulasse. Ça. Ça, c'est des fils de pute. Toi, il a pris sa balle là, putain, c'était chaud. Mais tu vois, bizarrement, les gars, ils prennent pas de ça l'a calmé direct. Il était chaud au début, là, il s'est calmé direct. Il a dit, tiens, putain, comment il est chaud, lui. Mais franchement, ça me dégoûte, hein, ça me dégoûte de voir que des mecs courent comme ça, et le gars, il court pour sa vie, frère. Et tu l'as bien blessé, et tu te fais voler le cul comme une pétasse. Lui, il a flippé, tu vois. Lui, il a flippé. Tu reconnais quand quelqu'un flippe, tu vois. Parce que quand il flippe, il a construit un mur, mais il n'a pas pensé à. Dans ce cas-là, tu construis un mur, un plateau, un escalier, et puis voilà, c'est bon. J'ai cassé le premier, mais pas. Le temps que je casse les autres, voilà. Là, je sais pas pourquoi, là, c'est une des erreurs que je fais, c'est que je veux tellement être en vœu, en fait, que j'oublie de mettre du shield. Alors, j'avais largement le temps de mettre deux shields, de mettre à 50 de shield pour vraiment assurer le combat. Et souvent, voilà, c'est ça mon erreur, c'est que tu vois, là, je fais le sec de shield, et voilà, le mec, il arrive. Et là, putain. Regardez ma vie, regardez ma vie. Regardez le nombre de balles que j'ai mis en carte. Regardez ça, les gars. Regardez ça, tu vois. Tu vois. Si j'avais flippé, j'aurais fait un mur. L'erreur à ne pas faire. Tu aurais fait un mur là, tu serais bon. Vous me tentez de tuer le mec que de faire un mur. Parce qu'il t'a déjà 10 points de vie, frère. Tu fais un mur, c'est là que tu retires ton fusil de ta. Et lui, il a mis très automatiquement, il y a une balle qui serait passée, il m'aurait ken, tu vois. Franchement, ça, c'est ça. Tu vois, ça là, c'est ce truc là que je te parlais que vraiment c'était chaud. Parce que quand il a sauté là, tu vois, les gars. La balle de pompe serait pas passée, je serais mort, tu vois. C'est le que j'ai tenté le jab parce que le gars il avait déjà la hauteur, il avait sauté. Et moi j'avais mal calculé que les mecs auraient pu sauter comme ça. Le gars il était ouf.
Quand le gars il a sauté, ma balle de 85 dans la tête serait pas passée, je serais dead, frère, je serais dead. Parce que ce que je comprends pas, c'est que je donnais une tête. Attends. Voilà, la vidéo est finie. Et bon, les gars, sur ce, les gars, je vais vous laisser. Je suis désolé de vous lâcher comme ça, là, vite fait. Ben, comme ça, la crache, j'avais même pas vu cette dernière kill qui était là. Mais je vous laisse comme ça, les gars. Vous savez déjà, les gars, c'est GG, lâchez des likes, lâchez des commentaires. Et encore une fois, je dis pour les gens qui veulent gagner la carte cadeau de 10 euros en septembre, le 10 septembre, c'est simple, les gars. Il suffit juste de lâcher un commentaire sur chaque vidéo et de lâcher un like, franchement, et de t'abonner si t'es pas abonné. Parce que franchement, je vais vérifier. Si dans le commentaire, je vois le commentaire d'un mec, quand je te choisis, t'es pas abonné à ma chaîne, c'est même pas la peine, tu vas pas gagner la carte cadeau de 10 euros. Il faut être abonné. Lâche un commentaire sur toutes mes vidéos et toutes les vidéos hein, depuis la dernière vidéo que j'ai mise cette semaine. Non, c'était la semaine dernière. Voilà, ouais, la semaine dernière. Tu lâches un commentaire sur toute sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai mise et celle-là. Un like et bien sûr, il faut que tu sois abonné. Et forcément, il y aura un tirage, il y aura un tirage ça, parmi tous les commentaires d'une vidéo, pas de toutes, hein, d'une vidéo. Je précise bien, ça veut dire que je vais choisir une vidéo dans ce genre de si je mets celle-là. La dernière, là, j'ai mis celle-là, j'ai mis 4 autres vidéos encore et que tu as commenté toutes les vidéos. Je vais faire une vidéo le 10 en live, bien sûr. Je vais faire un live en filmant mon écran, c'est en filmant mon écran YouTube. Et je vais choisir un commentaire, peu importe lequel. Et puis, même si c'est pas forcément GG, bon, bien sûr, si tu me dis fuck you par exemple, j'ai pas choisi ce commentaire-là. Bien sûr, un commentaire, quand même, soit positif, soit un commentaire qui parle, voilà, tu me poses une question sur quelque chose, ou voilà, tu me demandes tu me demandes mon avis sur quelque chose, voilà. Juste ça, tu vois, pas forcément un commentaire forcément GG ou bon travail, bonne vidéo, non, pas forcément. Du moment que c'est pas un commentaire négatif du principe où tu m'insultes ou etc., voilà, ça veut dire que d'une certaine manière tu me donnes la force, ça veut dire que même si, bon, tu veux gagner un paquet d'éditions, mais en même temps tu me donnes la force parce que tu commentes et que si tu commentes, c'est que tu as suivi ma vidéo jusqu'à la fin et que voilà, que tu as entendu ce que je dis, et que tu as compris ce que je disais. Donc voilà, tu lâches le commentaire, tu lâches le like, le commentaire, tu t'abonnes à la vidéo et je vais choisir le commentaire en live, ça veut dire qu'en live avant sur YouTube, ça veut dire que je vais filmer mon écran de téléphone quand je serai sur YouTube, je ferai un live direct et je choisis un commentaire. Donc si jamais c'est toi, tu vas voir que je vais te choisir direct, c'est-à-dire que c'est pour pas qu'il y ait de fake ou que je pense que j'ai choisi un ami ou quoi que ce soit, etc. Non, je choisis un commentaire, peu importe, n'importe quel commentaire. Donc si tu veux vraiment être choisi, avoir beaucoup beaucoup de chances d'être choisi, il suffit de like, de commenter toutes les vidéos que je vais mettre. Comme ça, t'es sûr que dans la vidéo que j'ai choisi pour faire le tirage, tu seras dedans, tu seras automatiquement dans ce tirage-là parce que tu as commenté cette vidéo-là. C'est juste ça que t'as. Et en plus, si tu veux après, ben, t'as qu'à lâcher plusieurs commentaires. Ça veut dire que si tu fais en plus de choix d'être sélectionné, soit tu lâches plusieurs commentaires différents. Ça veut dire que au lieu de commenter ton propre commentaire, tu commentes une autre fois de commentaire. Tu commentes un commentaire, un nouveau commentaire en fait. Et donc, des fois, par exemple, il y a des gens qui vont commenter beaucoup la vidéo. Tu vois, il y aura 7 commentaires, mais sur le même commentaire. Ça veut dire que quand je choisis le gagnant, je vais pas ouvrir les commentaires où il y a plusieurs commentaires, je vais ouvrir un seul commentaire. En fait, ça veut dire donc vaut mieux. Voilà l'intérêt pourquoi il faut que tu commentes à chaque fois, une nouvelle fois, une nouvelle fois, une nouvelle fois. Parce que si tu commentes ton même commentaire plusieurs fois, ça revient même, ce sera un commentaire pour moi lors du tirage de ça. Donc, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis, mais en fait, c'est juste qu'il faut pas que tu répondes à ton propre commentaire dans ton commentaire. Bref, je sais pas si tu comprends non plus parce que même moi, je n'ai pas vraiment compris. Mais bref, voilà, sinon c'est simple. Après, les gars, vous n'avez pas à vous non plus. Voilà, je recommence ça. Si tout se passe bien, normalement, ça doit durer jusqu'à la fin de l'année, ou voilà, ça doit durer indéfiniment, où je fais regarder des cadeaux d'édition tous les 10 du mois, donc forcément. Et aussi, si franchement, il y a des gens qui veulent me faire de la pub, etc., tout ça, je suis pas contre faire de la pub pour les gens. Donc si veulent me faire de la pub, il n'y a pas de souci aussi, vous pouvez me faire de la pub, ça me donne la force aussi, et vous pouvez même être, on va dire, entre guillemets, rémunéré. Ça veut dire que si je vois que tu m'as vraiment fait de la pub, ou si t'as vraiment fait de la pub, j'ai pas mal d'abonnés qui sont arrivés d'un coup et tout, tu dis que c'est toi, que tu as fait de la pub, etc. Je serais content et pourquoi pas te lâcher. J'ai déjà rémunéré une personne, je crois qu'elle a fait vraiment beaucoup de pubs. Et je l'ai rémunéré vraiment, tu vois, dans la discrétion, c'est-à-dire que je dis pas à tout le monde depuis que voilà, lui, il a gagné de l'argent parce qu'il a fait ça aussi. J'ai pas non plus trop envie que tout le monde se mette à me faire de la pub et qu'après, tu vois, je sache pas vraiment qui me fait de la pub ou pas. Parce que forcément, t'imagines que j'ai 5 personnes qui me disent, ouais, je t'ai fait de la pub, et c'est pour ça que t'as autant d'abonnés, et qu'il y en a 5 personnes qui me le disent. Je ne sais pas qui dit vrai, tu vois. Donc, j'ai pas donné 10 euros ou 20 euros ou 30 euros à 5 personnes, tu vois. C'est possible, tu vois. Voilà, j'ai peur que d'autres en profitent pour, voilà, en tirer de l'argent alors qu'ils n'ont rien fait, tu vois. Donc, ça se passe plus sur discrétion. Les gens m'envoient des mails à mon adresse mail que j'ai déjà mis sur mes vidéos, tout ça. Bon, si jamais vous voulez, vous me demandez mon adresse mail, je vais la remettre. Je vais la mettre dans la description d'ailleurs de cette vidéo-là. Et voilà, vous m'envoyez un mail, voilà, on discute, on parle, voilà, et puis voilà, tu m'expliques voilà comment tu me fais de la pub, ce que tu as fait pour me faire de la pub et tout. Et quand je vois les résultats, ne t'inquiète pas, je
je te ferai un petit truc, tu vois. Voilà, après, bon, s'il y en a un qui veut me le faire gratuitement, ça me dérange pas non plus. Donc voilà, les mecs, sur ce, les gars, c'était mon channel, ok, je vous laisse la vidéo. J'espère que ça vous a plu, la vidéo, les gars. Désolé pour la caméra, mais bon, comme ma tête n'est pas trop dans l'état, et c'était pas prévu d'ailleurs que je me filme, mais bon, j'ai quand même voulu me filmer et tout. Je vous laisse, les gars. C'était mon channel, les gars, bang bang. Ciao, connaître.